tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat. Voilà, donc comme je vous avais dit, hein, j'ai pas mal de sites qui m'ont contacté pour tester leurs produits. Donc aujourd'hui, ce sera le site GBFKE. Voilà, donc ils m'ont proposé de tester leurs produits. Ils m'ont pas laissé de choix, ils m'ont demandé quel thème j'aimais bien sur le diamond painting, bien évidemment. Donc je savais pas trop quel thème choisir et puis j'ai pensé à ma fille, donc je leur ai dit les princesses Disney. Et donc ils ont sélectionné des toiles et ils me les ont envoyées, voilà. Donc c'est pas moi qui ai choisi les toiles. Donc je l'ai ouvert pour voir de quel partenaire ça provenait. Et donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc dans une pochette, voilà, hop, et j'ai les toiles dedans. Donc ils ont été très généreux quand même parce qu'ils m'ont envoyé 5 toiles. Donc voilà, j'ai pas pu choisir mes toiles, donc je sais pas si tout va me plaire, mais au moins ils ont été très généreux, voilà. Donc pour info, ils m'ont envoyé le colis le 20 août. Et je l'ai reçu aujourd'hui donc par colis privé et aujourd'hui nous sommes le 3 septembre. Voilà, donc ça a mis 15 jours pour arriver. C'est très correct, hein, moi je trouve, voilà. Après, à voir si tous les modèles vont me plaire, mais bon, on va voir ça ensemble. Alors, la première, donc je vois qu'elle est déjà entrouverte. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est ? D'accord, donc ça a l'air d'être Alice au Pays des Merveilles, pour adultes, je précise, parce que de la manière qu'elle est installée, ouais. Alors, je vais essayer de vous la montrer, parce qu'elle est... Attendez, je vais pousser celle-là. Voilà, donc là, vous la voyez bien, donc vous avez vu la position qu'elle a, hein, c'est un petit peu plus une toile adulte qu'une toile enfant. Pas très Disney. Donc voilà ce que ça donne. Alors, donc c'est des papiers transparents. Hop. La toile, elle colle bien, vous entendez, hein. Alors, par contre, j'ai un peu du mal à la mettre à plat. Essayez de l'autre côté. Donc, il y a 25 couleurs. Hop, je vois, il y a deux tableaux de chaque côté. Donc, ça, on ne peut pas les louper. Il n'y a pas de souci. Par contre, donc sur la toile, il n'y a pas de DMC. Il n'y a pas non plus la taille de la toile. Donc, j'imagine que ça doit être une 30 par 40, mais complète. Hein, une 30 par 40, toute la toile. Voilà. Et donc, il y a 25 couleurs. Donc, les... symboles sont très très bien imprimés, hein. Voilà, ça se voit nickel. Ensuite, donc on a un toolkit donc de base. Voilà, dedans il y a la barquette verte, la colle et le stylet rose. Et donc ce sont des diamants ronds. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ben, ils sont très bien taillés. Hein. D'un premier abord comme ça, ils sont très beaux, très brillants. Après, c'est vrai qu'avec les ronds, on ne prend pas trop de risques. Ah, bah ben, les DMC sont sur les sachets. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Bon, bah ben, super. Les DMC sont sur les sachets. Donc, je vous montre... Hein, bon, c'est vrai qu'avec les ronds, je vais voir au niveau de la pose. Mais en général, voilà, on n'est pas déçu. Donc voilà pour la première toile. Donc bon, ils ont respecté le thème princesse Disney. Après, c'est pas ce genre de princesse que je pensais. Mais bon. C'est un partenariat, hein, donc comme je vous ai dit, j'avais pas lieu de choisir, donc on va tester tout ça. Hop,
Donc on va regarder les autres toiles. Du coup, vu que j'arrive pas à la mettre à plat, et ben je vais la renrouler. En plus, c'est un papier transparent, donc il n'y a pas trop de risques. Voilà. Donc ensuite, alors celle-ci, elle est bien fermée. Voilà. Alors, de toute façon, je vais chercher hein, toutes les toiles qu'ils m'ont offertes sur leur site et je vous les mettrai en barre d'infos. Hein. Comme ça, si ça vous plaît. Oh, super! Ah, j'adore cette toile. Donc oui, je vous les mettrai tous en barre d'infos. Alors, tadam! Moi, je pense que là, sur le coup, ils m'ont bien cerné. Hein. C'est vraiment des toiles que j'aime beaucoup. Donc, c'est une toile partielle. Vous voyez, il n'y a que les couleurs à faire. Tout le blanc autour, ça n'est pas à diamanter, mais tout le reste, c'est à faire. La toile, elle est plus fine que l'autre. C'est vrai que l'autre était un petit peu plus épaisse. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Ça colle très, très bien. Oh, j'aime beaucoup ce genre de toile. Pareil, là, on n'a pas la taille. Je pense que ça doit être une soit une 25 par 25, soit une 30 par 30. Bien évidemment, tout le tour. Hein. Voilà, il y a 13 couleurs. On a le même kit dedans, le kit de base. Et ce sont encore des diamants ronds. Voilà. Je vais pas les... je vais les ouvrir quand même pour voir s'il y a les 13. Donc là, je vois qu'il y a des mélanges de couleurs. Ouais, il y a un petit peu de mélange de couleurs comparé à l'autre. L'autre, il n'y en avait pas. Mais bon, ils sont très beaux. Et c'est pareil, hein, c'est, les DMC sont inscrits sur les sachets. Donc ça, c'est cool. Hop. Bon, bah, je suis super contente. Elle est très belle. Je pense que celle-ci, on la fera ensemble. Elle est vraiment très belle. Après, peut-être qu'il y en a d'autres des très belles. Hein. On va voir ça. C'est un peu la surprise pour moi comme pour vous. Hop. Alors ensuite, la troisième. Vous avez vu, c'est bien collé. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Oh bah ça, ça va plaire à ma fille. Donc c'est une princesse Disney, c'est Rebelle. Hop, voilà. Donc c'est vrai que j'ai jamais fait de toile de Rebelle. Ma fille commence à s'y intéresser, donc je pense que ça va lui plaire. Ça va finir dans sa chambre. Donc c'est pareil, hein, ça doit être une 30 par 40, mais toile entière. Donc 30 par 40 toile entière, ça doit faire du 25 par 35, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, on a les grilles, donc il y a 19 couleurs. On a exactement le même kit. Et alors là, par contre, on n'a pas les DMC. Que ce soit sur les sachets ou sur la toile. Et ce sont des diamants ronds. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc je leur dis. Voilà. Alors, de 1 à 19, ok. Alors là, on n'a pas du tout de mélange de couleurs. Ils sont très, très beaux. Regardez comment ils brillent. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez là, j'ai plein de teintes de beige, corail, orange. C'est super beau. Super, super beau. Voilà, donc c'est encore un rond. Je ne sais pas. Pas s'ils m'ont envoyé un carré, j'aurais bien aimé tester les carrés, mais bon. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas moi qui ai choisi, donc on va voir ce qu'ils ont envoyé d'autre. Donc bon, pour l'instant, même si la première, je suis pas fan, celle-ci, je l'aurais pas choisie pour moi, mais je sais qu'elle va plaire à ma fille, donc je suis très contente. Par contre, la toile partielle avec la dame au papillon, ça oui, j'aurais choisi, j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que c'est bien de tester les diamants carrés chez un vendeur. On se rend beaucoup plus compte de la qualité que les diamants ronds. Après, pour ceux qui aiment les diamants ronds, et bah écoutez, c'est top. Alors, la quatrième.
ça colle bien. Hein. Voilà. Donc, la quatrième. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est une toile partielle. Ok. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble un petit peu au manga. Hop, c'est une femme de dos. Voilà. Donc, il y a juste la robe à diamanter. C'est un peu dommage parce qu'en bas, ils ont coupé les chaussures. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, la toile est très jolie. Hein. Le canevas est un peu plastifié. Au niveau de la taille, ça doit être du 30 par 30, je pense. Il y a 11 couleurs. Bon, celle-ci, elle va aller très, très vite à faire. Hein. Donc, au niveau du kit, c'est toujours le même. Et au niveau des diamants, c'est toujours des ronds. Voilà. Alors après, au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Hein. C'est que des couleurs dans les tons violet, bleu, rose. Vous voyez, c'est très joli. Par contre, c'est vrai que je vous mettrai les prix parce que je ne sais pas combien elles coûtent. Mais c'est vrai que là, il n'y a vraiment pas grand-chose à diamanter. Hein. Donc j'espère que le prix va en conséquence. Je n'ai pas regardé si elle collait bien. Elle colle très très bien. Voilà. Donc voilà pour la quatrième. Donc vous devez vous rendre compte hein, que ce n'est pas forcément mes goûts. Voilà. Ce n'est pas le genre de toile que j'aurais choisi. Mais bon, ça change, quoi, on va dire. Ça fait découvrir de nouvelles choses et pour moi et pour vous. Et donc la dernière. Hop. Alors, la dernière. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah, c'est dans le même thème que celle que je viens de vous montrer. Donc, c'est encore impartiel. Voilà. Donc, ça fait assez manga japonais. Ça a l'air d'être une fée au clair de lune. Donc là, on a un petit peu sur la tête à diamanter. Et puis après, toute la robe, là, comme ça, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup plus de diamants à poser. Bon, les symboles sont très, très bien imprimés, hein, il n'y a pas de souci. La toile colle très, très bien. Il y a... Donc là, c'est une 30 par 40, c'est noté. Ouais, c'est noté aussi en haut, donc 30 par 40, c'est tout le canevas, hein, comme je vous dis. Donc, toutes les toiles, là, c'était comme ça. Il n'y a pas de DMC noté sur la toile et pas non plus sur les sachets. Voilà. Donc, c'est des diamants ronds. Le toolkit, c'est le même, mais là, nouveauté, on a deux petits sachets transparents en plus. Et donc les diamants. Ouais, c'est dommage, ils auraient dû m'envoyer au moins une toile en carré pour que je puisse tester, quoi. Parce que là, pour le coup, bah là, j'ai rien à leur reprocher. Hein, tout est nickel. Les couleurs sont très jolies. Hein. Ce sont des couleurs pastel. Donc on a un dégradé de bleu. Impressionnant, voilà, elles sont très très belles et trois petites jaunes, voilà, donc elles sont très très belles les couleurs, mais c'est vrai que je suis un peu déçue, je pensais qu'ils m'auraient envoyé au moins une toile en carré pour pouvoir tester. Ben non, c'est pas le cas. Bon, je verrai ça avec eux hein. De toute façon je ferai une vidéo d'une toile avec vous comme d'habitude pour vous donner mon avis sur ce vendeur et tout ça. Ouais, je verrai avec eux si c'est pas possible de m'envoyer au moins une toile en carré pour tester, parce que là, pour le coup, c'est bien de tester les diamants ronds, mais c'est aussi bien de tester les diamants carrés. Donc voilà, je vais regarder le site, donc je reviens, je vais chercher ma tablette pour qu'on puisse regarder ça ensemble, pour qu'on puisse se rendre compte au niveau des tarifs, et voilà. À tout de suite. Voilà,
Voilà, donc ça y est, j'ai été chercher ma tablette, donc je me suis connectée à leur site, donc voilà à quoi il ressemble. Donc comme vous pouvez voir, il y a des offres, hein, acheter 3, obtenir une, prix inférieur à 3,99, prix 4,99 à 5,99, prix super bas, c'est marqué, donc enfin voilà, il y a franchement, il y a pas mal de choix, comme vous pouvez voir, les prix sont pas exorbitants. Donc certes, il y a peut-être des choses un petit peu plus chères que sur Ali, mais il y en a d'autres, je trouve, qui valent vraiment le coup. Donc vous voyez, par exemple, là, il y en a une 50 par 40. Le cheval, là, bon, bah, 50 par 40, 7,99 €. C'est pas cher du tout, quoi. 50 par 40, sur Ali, c'est plus cher, hein, selon les vendeurs. Donc sincèrement, c'est pas trop mal. Après, au niveau rond, carré, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de ronds. Vous voyez, là, je vois une toile. 80 par 30, 8,99 €, quoi. Donc, le site est en promotion. Je pense que c'est des promotions qui sont tout le temps, en fait. Voilà. Mais 30 par 80 à 8,99 €, c'est pas cher, hein. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc vous voyez, il y a aussi des accessoires. Donc là, je vois qu'il y a des marque-pages. Il y a des thèmes. Voilà. Ouais, donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble, ce qu'il y a. Par contre, je voulais revenir. Donc j'ai trouvé une toile donc, qui m'avait envoyé. Donc par exemple, la Alice. Donc voilà ce que ça donne. Donc, elle est au prix de 4,99 €. Et donc, j'ai regardé, hein, c'est bien marqué, là, voilà. Hop, je vais agrandir. Donc, la toile, elle fait bien 30 par 40. Voilà. Alors, après, sur celle-ci, c'est pas noté, mais j'ai vu que sur certaines, donc là, c'est noté diamant rond, sur certaines, on voit que c'est marqué 30 par 40 et toile réelle, la taille, en fait, juste du dessin. Ah bah, par exemple, là, regardez. Donc, mon papillon, c'est bien un 30 par 30. Voilà. Donc, il est à 3,99 €. Donc, vous voyez, c'est pas cher du tout, hein. 30 par 30. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est marqué. Je vais le grossir. Hop. Donc, c'est marqué 30 par 30. Voilà. Il est marqué en pouces aussi. Et en dessous, c'est bien marqué point de forage. Donc, c'est là où on diamante. 24 par 24. Voilà. Donc, alors, il y en a, vous voyez, il y a deux modèles. Il y a le modèle A, donc qui est en collage collé une partie. Donc, c'est un partiel. Et en dessous, vous avez le B en forage complet. Voilà. Donc, moi, ils m'ont envoyé le A, la toile partielle. Et donc, je pense qu'on peut choisir en haut si on veut la A ou la B, quoi. Voilà. Si je fais ajouter au chariot, qu'est-ce qu'il me dit? Non, il me l'a ajouté. Il ne m'a pas demandé de choisir. Bon. Alors ça, je ne sais pas. Donc, au niveau des carrés, donc j'ai regardé, ils en ont bien, hein. Donc, je marque square dans le champ de recherche. Voilà. Rechercher. Et donc, voilà. Là, vous tombez sur les carrés. Donc, il y a plein de toiles. Hein. Je ne sais pas combien. Il y a 29 pages. Donc, ils en ont. C'est vrai que principalement, ils ont des ronds. Mais ils ont aussi des carrés. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci. Je crois que je l'ai prise chez un autre partenaire. Donc, ils ont... Donc, celle-ci, par exemple, elle m'aurait bien plu. Hein, la princesse, voilà. Disney, donc 9,99 €, c'est une 40 par 50. Voilà, et donc ce sont des strass carrés. C'est bien précisé ici. Hop, strass carré et la taille 40 par 50. Voilà, donc je suis très contente pour l'instant au niveau de ce que j'ai reçu, au niveau de la qualité et tout ça, ça a l'air d'être au rendez-vous. Après, comme vous savez, hein, il faut toujours tester pour savoir. Après, je suis un petit peu déçue au niveau des choix, c'est vrai que c'est pas forcément mes goûts. Par exemple, si je tape princesse, qu'est-ce qu'ils ont en princesse?
Ah ouais, 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 ouais. Voilà, moi je voyais plus princesse Disney dans cet esprit-là. Vous voyez ça, la Reine des Neiges, Aladdin, bon bah je l'ai déjà, donc tant mieux qu'il ne me l'ait pas envoyé. Hein, je l'ai déjà en plus grand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 9 pages. Ouais, voilà. Voilà. Moi je voyais plus des princesses Disney comme ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas très bien compris le thème, même si c'est dans le thème ce qu'ils m'ont envoyé. Moi, je voyais plus ce genre de choses-là. Donc là, tout ce que je vois, c'est en plein forage, full drills. C'est des ronds, hein, tout ça. Diamant, modèle. Et là, je vois qu'il y a des petits stickers. Ouais, donc tout ça, c'est des ronds. Hop, donc vous voyez, moi, princesse Disney, je voyais plus des modèles comme ça. Voilà, mais bon. C'est pas grave, je vais tester. Du coup, je voulais vous montrer aussi les autres choses qu'ils font. Carnet. Voilà, donc ils font des carnets. Alors, il y a un petit peu de tous les prix. Ça va entre 8,99 et 10,40€. Donc là, c'est un petit peu plus cher que sur Ali. Voilà, donc les cahiers à diamanter. Donc, il y a pas mal de choix. Hein. Par contre, voilà. Il y a combien de pages? Il y a 5 pages. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus cher. Mais bon, après, au niveau du temps d'envoi, parfois, ça peut valoir un peu plus le coup. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je ne vous dis pas acheter chez eux. Hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est plus cher, mais ça arrive plus vite. Voilà. Donc, ensuite, donc, il y a des carnets. Il y a quoi d'autre? Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, l'horloge, c'est quoi? Voilà, donc vous avez des choses comme ça aussi. Des horloges. Donc au niveau des tarifs, c'est pas excessif. Hein, 6,99€, 8,98€. Là, il y en a des beaucoup plus chers par contre. 25€, celle-ci, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Après, c'est pour les enfants. Voilà, donc vous avez du moins cher, vous avez du plus cher. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je sais qu'en général, avant, je commandais principalement sur Ali parce que je pouvais me permettre d'attendre et tout ça. Après, si vous voulez que ça arrive plus vite, vous pouvez commander aussi sur ce site. Et puis, bah, maintenant que je connais plusieurs sites, moi, je sais que je vais regarder hein, où ça vaut le plus le coup, si je vais être livrée rapidement ou pas. Enfin, voilà, quoi. Là, vous voyez, vous avez des petites lampes LED à 7-8€. Donc, c'est pas excessif, je trouve. Sur Ali, c'est les mêmes prix, voire plus cher. Donc, je pense que, voilà, c'est chacun... chacun fait à sa sauce. Donc il y a des DP avec des diamants spéciaux. C'est vrai que c'est pas très pratique leur site, on sait jamais trop où cliquer. Celui-là c'est quoi? Non, celui-là c'est des diamants normaux. Il y a des cartes de vœux apparemment. Ah, elles sont sympas. Regardez. Voilà, il y a des cartes de vœux aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ce genre de choses. Donc là, au niveau des tarifs, on est à 2,98 pièces. Les 4, 7,48. Les 6, 11,90. Alors ça, par contre, au niveau des tarifs, je ne sais pas du tout si c'est cher. Parce que j'en ai jamais commandé sur Ali, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais bon, au moins, je vous dis tel que c'est sur le site. Voilà, donc il y a des marque-pages, donc il y en a pas mal, hein. Je sais pas combien il y a de pages, mais il y en a 6. Et au niveau des tarifs, c'est tout à fait raisonnable, c'est 2,99€. Là, il y en a 4,99€ les deux. Donc là, enfin voilà quoi, par rapport à Ali, c'est pas excessif quoi, c'est... Et puis je pense qu'il y a des modèles qu'on ne trouve pas ailleurs.
3,99. Ouais, c'est pas mal. Après la joie qu'il y a ça, c'est sympa ça. Ils mettent toujours des petites pubs. Alors, regardez, il y a des caisses aussi comme ça, vous savez, comme celle que je me suis achetée. Donc là, elle est à 11,99€. Un petit peu plus cher. Il y a quoi d'un prix super bas? On peut faire des DP personnalisés aussi. Donc là, alors, toutes les toiles, on ne peut pas choisir ni la taille, ni le forage, en fait. Si vous choisissez votre toile, vous choisissez le dessin et vous prenez, en fait, la taille qu'il vous propose et les diamants qu'il vous propose. C'est pas comme chez Ali où on peut choisir la taille et les diamants. Là, c'est, voilà, c'est soit des carrés, soit des ronds, mais c'est spécifique à la toile et la taille on peut pas la changer. Par contre pour faire une toile personnalisée chez eux, vous voyez, il y a ça. Et là par contre vous pouvez choisir. Donc forêt rond. Ah bah non, il n'y a que forêt rond. Je pensais qu'on pouvait choisir carré. Non, il n'y a que forêt rond. Et au niveau de la taille, ça va de 30 par 30 jusqu'à 80 par 120. Voilà. Alors après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau qualité, hein, faut tester. Mais ils font aussi voilà, les diamond painting personnalisés. Si je prends des prix ultra bas, inférieurs à 3,99, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a par exemple à 2,99, là, on a une toile en diamants spéciaux. Voilà, donc 2,99. Sincèrement, c'est pas cher du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des toiles à 3,99. Là, j'ai des roses, des têtes de mort, des paysages. Il y a 80 pages. Hein. Donc, sincèrement, ils ont du choix. Hein. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Alors, par exemple, celle-ci, elle est super jolie. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? 2,99 €. Ils nous proposent quoi à ce prix-là? Hein, des roses, comment l'image? C'est une 30 par 40. Donc ça doit être des diamants ronds parce que c'est pas spécifié. Donc si, perceuse ronde. Voilà. Donc par exemple, vous avez cette image-là. Donc elle est très jolie. Sincèrement, moi, elle me plaît beaucoup. 2,99 € une 30 par 40. Sur Ali, j'ai jamais vu ce prix-là. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça. Le site est un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué à trouver ce qu'on souhaite, donc faut vraiment fouiner. Oh, voilà, je suis tombée sur Mickey et Minnie. Voilà, moi quand je parlais de Disney, je parlais de, voilà, des vrais Disney. Ça m'aurait beaucoup plu. C'est quoi? C'est des diamants ronds, c'est une 40 par 50. Voilà, 40 par 50, 9,99. Donc voilà, donc sincèrement, livraison gratuite à partir de 35 €, c'est marqué. Et sinon, avant, c'est 6 € de frais de port. Vous pouvez acheter 3 toiles et en avoir une gratuite. Donc vous voyez, il y a une catégorie, hein. Voilà. Grand prix, achetez 3, obtenez un gratuit. Donc cela va sans dire, je suppose que vous payez les 3 plus chers et que la dernière, ça sera la moins chère. Après, si vous prenez, je sais pas moi, 4 toiles à 12,99, vous ne paierez que 3 toiles à 12,99. Et là, il y a 112 pages. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Ah bah voilà, regardez, il y a les cases là, comme je vous montrais, celles que j'ai faites. Donc ce sont les mêmes que sur Ali, mais ils sont un petit peu plus chers, mais vous avez le choix, il y a des diamants spéciaux, il y a plein, plein, plein de choses. Donc sincèrement, moi je vous dirais, donc je vous mets le lien en description. Allez y jeter un coup d'œil. Je pense que c'est un site où il faut fouiner un petit peu pour trouver son bonheur, mais ça peut payer parce que c'est quand même. Voilà. Là, regardez celle-ci, 80 par 30, 8,99. Enfin, elle est magnifique, quoi. Donc, ouais. Allez fouiner. Et puis après, bah, vous faites comme vous voulez, hein. De toute façon, moi, je vous montre ce que je reçois. Je vais tester ce.
ce qu'on m'a envoyé. Voilà, je vous donne mon avis et après vous, vous êtes libre de vos propres choix et vous faites ce que vous voulez. Voilà, ah bah là, ils ont fait plein de toiles Halloween, hein, vous voyez. Il y a même ma robe en bas. Donc, non, ils ont énormément de choix. Donc, faites comme vous le souhaitez, allez faire un petit tour ou pas. Mais sincèrement, c'est plutôt sympa. Voilà, donc je vais voir avec eux s'ils peuvent pas... Je vais faire déjà la vidéo avec une des toiles pour tester leur toile. Et puis ensuite, j'essaierai de leur redemander qu'ils m'envoient une toile en carré pour tester les carrés. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, mon unboxing est terminé. Hein, donc, unboxing plutôt positif, même si les choix des toiles, voilà, me correspondent pas forcément. Mais voilà, c'est quand même très généreux à eux de m'envoyer 5 toiles, quoi. Je veux dire, j'ai certains partenaires. D'ailleurs, j'en ai un, ça fait un moment que je l'attends, je crois. Il veut m'envoyer une seule toile. Petite taille en plus. Donc là, sincèrement, ils n'étaient pas obligés de m'en envoyer autant. Donc merci à eux de m'avoir envoyé autant de toiles. Je vais tester leurs produits comme promis. Et puis, je vous retrouverai pour une future vidéo. Voilà, donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !